c'est impossible. Il utilise le Ryuken Kikotonchinko. C'est une technique secrète de notre famille. Finalement, nous n'aurons pas réussi à vaincre nos faiblesses. Nous n'avons pas échappé au destin. Mitsuomi, qu'est-ce qui t'amène par ici? Écoutez-moi, père. Ce mois-ci, j'ai réfléchi, je me suis posé beaucoup de questions à propos de ce combat, j'ai pris le temps de l'examiner. Et je dois avouer qu'au final, il y a quand même une chose que je n'arrive pas à comprendre. C'est à propos de cette croyance en un guerrier ultime. J'aimerais savoir si on a voulu faire de moi une sorte de dieu. Mitsuomi. Est-ce que tu sais ce que signifie le phénix volant? L'armoirie de la famille Takayanagi. L'aile droite symbolise les familles de l'aile blanche, tandis que l'aile gauche représente celle de l'aile rouge. Contrairement aux maîtres d'arts martiaux de l'aile blanche, les gens de l'aile rouge ont toujours été pauvres. Nous avons même perdu la trace de certaines de ces familles. Et si tout cela est arrivé, c'est parce que les progrès de la civilisation ont rendu leur pouvoir parfaitement inutile. Mais pourtant, ces familles existent toujours. Des enfants continuent à naître. C'est vraiment une triste histoire. C'est pourquoi il faut absolument tout faire pour sauver leurs âmes maudites. Et c'est avant tout le rôle que doit jouer la famille Takayanagi, mais c'est aussi mon devoir envers mon ami Kaima Natsume, le père de Shin. Que se passe-t-il, Mitsuomi? Attention, jeune homme, c'est très dangereux. Reculez! Mitsuomi, tu peux m'expliquer ce qui te prend? Je me suis permis d'embaucher quelques hommes de Fuchen, mais rassurez-vous, je n'ai eu qu'à vendre quelques bâtiments, rien de plus. Père... Ce que vous dites est vrai. Cependant, ceux qui ont un don n'ont pas besoin d'être sauvés. Ils ont besoin du pouvoir absolu. Vous voyez, c'est ainsi que je conçois le guerrier ultime. Arrête, Mitsuomi, reprends tes esprits! Je prends les rênes de la famille Takayanagi. Vous ne servez plus à rien, père. Alors vous pouvez prendre votre retraite. Mitsuomi. Et toi, Pei, ta présence n'est plus nécessaire. Alors va-t'en. Oh?
Puisque Bunchichi et Petit Mère 2 ont été blessés, il va falloir attendre plus d'un an avant qu'ils ne puissent revenir. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas le temps de les attendre. Mais je connais les gens qui composent cette école. Je sais bien qu'il reste quelques dizaines de personnes qui ont un fort potentiel. Si le comité d'exécution ne redevient pas rapidement une organisation vraiment puissante, il me paraît plus qu'évident que nous n'aurons bientôt plus la possibilité de leur faire face. Alors tu peux venir si tu en as envie. Je t'attendrai. Voilà. Ça fait déjà 2 ans. Grand frère, crois-tu que je sois devenue plus forte? Crois-tu qu'à l'heure qu'il est, j'aurai la force de t'arrêter? Si seulement aujourd'hui... Maya? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fabriques ici? Je suis venu te rappeler qu'il faut reprendre le Reiki à Aya le plus tôt possible. Dépêchons-nous. Tu as raison. Excuse-moi. Maintenant, je crois que tu devrais dire à ces deux abrutis de réfléchir à tout le reste par eux-mêmes. Merci de nous avoir raconté cette histoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Je crois que maintenant, je déteste encore plus Maya. Parce que tu vois, moi, je trouve que si elle avait été plus forte, eh ben, personne ne serait mort. Peut-être. Enfin... Mais maintenant, je peux vraiment avoir confiance en elle. Je crois que j'ai compris que Maya ne se bat pas par pur égoïsme ou quelque chose dans ce genre-là. Au fond, je ne sais plus quoi penser. En fait, j'ai l'impression que je l'aime autant que je la déteste. Ah, la lune est belle ce soir. Hé, tu sais quoi, Bob? Ben non, qu'est-ce que t'as? J'ai vraiment la dalle. Ah bon? Arrête, Takayanagi! Tu es trop méchant! C'est pas ce que je voulais! Mais qui est méchant, ma petite Aya? Vas-y, explique, tu t'attendais à quoi en venant dormir chez moi? Je te signale que je suis en pleine puberté. Il y a un truc bizarre, là. Je sais pas, on dirait que ça va sortir. Tu comprends pas que c'est mon ardeur pour toi qui veut sortir? Réveille-toi un peu, c'est comme ça, la jeunesse. Hein, quoi? C'est tout, alors? Oh, c'est trop nul! Quel crétin! Je suis vraiment désolée de m'être imposée comme ça chez toi hier. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Je sais bien qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces derniers temps. Hein? Non, rien. Non mais qu'est-ce que je fous? Comment ça se fait que je me suis pas rendu compte qu'on a dormi dans le même lit? Mais bon, tout est possible. Il y a encore ce soir. Allez, Masataka, tu peux le faire. Je te promets que ce soir, je rentrerai chez moi. Ah bon? T'es sûr? Hé, vous deux! Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous n'avez pas bien compris la situation? Alors donne-moi ce sabre, et tout de suite, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais là? Maître, est-ce que Dégage-toi! Je déteste cet épisode. Aya, rends-moi le Reiki. Pas question! Aya! Attends! Passe-moi le guidon! Non mais tu veux nous tuer ou quoi? Arrête de frimer! Thank you.
Allez, laisse tomber. Tu vas être gentille et tu vas me remettre bien sagement ce sabre, d'accord? Ne t'approche pas de moi! T'es en mauvaise posture, petite capricieuse. Et si tu t'obstines à ne pas comprendre, compte sur moi pour t'expliquer. Membre des exécuteurs de Todo, surnommée Pink Bomber, je suis Isuzu Emi. En garde! N'approche pas! Attends, ne pars pas. Mitsumi, il me semble que tu m'avais promis de ne pas te mêler de cette affaire. Tu sais très bien que ce sabre apporte la mort. Alors je n'ai pas le choix. Je vais aller tuer le Reiki maintenant. Grand frère, je ne te laisserai pas faire. Reste où tu es. Tire-toi. Dégage de là, figurant. Ah, on a eu chaud. Contrôle-toi un peu, abruti. Oh, Sanshiro, c'est bien toi? Aya, ne bouge pas de là. D'accord. Dis donc, toi, on t'a jamais dit que c'était pas bien d'embêter les jeunes filles de si bon matin? Eh, hey, du calme. J'aime pas du tout vous voir ensemble. Alors dégage. Rends-moi ma moto, Sanshiro. Tu vas voir, je vais te donner une bonne punition. Hein? Cette fois, j'ai compris. Celle que Sanshiro regarde. Ce n'est pas moi. Chiaki a fait un emprunt pour m'acheter cette moto. Elle va se fâcher quand elle la verra. Oh, ce soir, je vais devoir assurer encore plus que d'habitude. Oh oui, encore. Hé, Bob, c'est de sa faute, c'est lui qui a fait ça. Prends ça. Je suis désolée, mais je voudrais vraiment que tu restes en dehors de tout ça aujourd'hui. Laisse-moi me charger de cette affaire. Je vais aller parler à Aya et à ces deux idiots. Est-ce que tu as envie de recommencer comme l'autre fois? Hein? Tu veux refaire la même erreur qu'il y a 2 ans? Oh. Hé, hey, toi oh. Là-bas! Moi, je dis qu'avec ou sans le Reiki, le problème n'est pas là du tout. On sait bien que, quoi qu'il en soit, les choses sont très différentes d'il y a 2 ans. Un point, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes aux côtés d'Aya et du maître. Et aux côtés de ton frère Masataka aussi. Et il y a 2 ans, tu pourrais nous rappeler rapidement ce que toi, tu as fait pour le maître? Eh ben allez, vas-y, raconte pour voir. Je rêve ou quoi? Ils ont fini par accepter de l'appeler maître. Ça suffit. Vas-y, Bob. Ouais. Arrête de te la raconter avec ta morale à 2 balles et approche un peu. Imbécile. Imbécile. C'est bien ça. Ok, je vois. Grand frère, regarde bien ce qui va se passer. Ton camarade est mort, Masataka. Ta gueule! Non, mais tu vois pas que t'es qu'un imbécile, espèce d'imbécile! En plus, si tu crois que tu m'excites avec tes petits hauts moulants, eh ben tu te trompes, tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes, sale pervers en rut! Je voudrais que t'arrêtes de me polluer la rétine! En plus, je te ferai remarquer que c'est pas 1 heure pour jouer les bodybuilders! Tu vas faire peur aux petites filles! Tu te fatigues pour rien, je t'ai déjà dit que tes coups ne valaient rien. Ah oui, vraiment? Et qu'est-ce que tu dirais si je distribuais ça? Espèce de minable, où est-ce que tu as eu ça? Qu'est-ce que c'est? Vous avez une idée de ce qu'il lui montre? Mmh, je voudrais bien le savoir. Cette fois, tous les coups sont permis! Attends un peu, maître. Il n'a pas trouvé de meilleure méthode parce que c'est un crétin, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour toi. Ben alors, c'est tout, quoi? Tiens, mange ça! Oh, je reste encore un peu. Oh non! Sinon, moi aussi, je vais redoubler! Oh, Bob, t'es vraiment insupportable! C'est de ta faute, tu m'as épuisé! T'es crade, toi! Pardon? Je peux l'entendre. Maintenant, tu vas la fermer parce que tu ne sais absolument rien de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je peux encore l'entendre. Eh bien, dans ce cas, vas-y, raconte. Je ne veux pas entendre. C'est pas la faute de Maya. Personne ne fera de mal à la vie que j'aime, tu entends? Cette fois, tu vas voir de quoi est vraiment capable le petit minable. Parce que tu vois, pour Maya... Stop, ça suffit. Mitsumi!
Soichiro. Je sais tout. J'ai tout compris maintenant. Oh, Mitsumi! C'est ce moment précis que j'ai décidé. À ce moment précis, j'ai décidé que quoi qu'il puisse arriver, je soutiendrai Soichiro. C'est pour ça. C'est pour ça que je deviendrai plus forte! Est-ce qu'on intervient? Grande sœur! Oh. Tiens, je te rends ça! Oh. Aya! Adieu, Soichiro. Gagne! Lève-toi! Parce que toi, tu es le futur époux d'Ayana Tsume! Ne pleure pas, ne pleure pas! Oui, mon futur époux! Je te préviens, si tu perds encore, c'est fini! Un homme aussi faible ne peut pas m'épouser! Alors si tu perds encore, c'est moi qui annulerai le mariage. Aya, qui t'a dit? Qui t'a dit qu'on allait se marier? Elle est plus forte que toi, Natsume. Ça suffit! Mission accomplie. Nous avons récupéré le Reiki. Je suis désolée, Mitsumi, mais je ne peux pas te laisser le tuer. Allez, retire-toi. Tu crois vraiment que je vais partir comme ça? Allons, tu ne vas pas commencer à jouer les capricieux. Je ne suis pas sûre que le lieu soit idéal pour mettre un terme à notre longue guerre. Mais je te promets que dans un mois, à l'occasion des prochaines qualifications, nous réglerons nos comptes. Très bien. Mais en attendant, surtout ne te méprends pas. Si j'ai laissé exister le club de Jugen, ce n'est pas du tout pour une raison personnelle. Je le sais très bien. Et maintenant ? Bravo, beau travail. Je n'aurais pas dû. Est-ce que tu vas bien ? Oui. Je compte toujours sur toi. D'accord. Quelle méchante fille tu es, Natsume. Tu ressembles vraiment à rien, espèce d'abruti. Eh bien, maître, à vrai dire... Ne t'inquiète pas. Moi, je trouve que tu t'es parfaitement débrouillé. Cela dit, n'oubliez pas, les qualifications, c'est dans un mois. D'ici là, nous, les cinq qui faisons partie du club, nous allons devoir... Aya, dans ces moments-là... Je veux pas savoir. Oh là là, il y a vraiment des fois où je sais vraiment pas ce que je veux, en fait. Oh, et puis non, je retire ce que j'ai dit. Soichiro! Bob, au secours! Alors là, compte pas sur moi. Bande d'imbéciles!
Un entraînement spécial? Pour moi? J'ai pas besoin de ça! Hein? Les 12 familles? C'est quoi? Prochain épisode d'Enfer et Paradis, le point du dragon! Qu'est-ce que c'est que ça?